Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler mode. En fait, je vais vous faire un haul Fashion Nova. J'ai passé même plusieurs commandes sur le site Fashion Nova et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mes derniers achats. Alors, ce sera un try-on haul. Je vais vous montrer les vêtements et je les ai portés aussi. Je vous ai fait des tenues avec. Comme ça, vous allez vraiment voir à quoi ça ressemble une fois porté sur moi. C'est la première fois que je vous parle de vêtements sur ma chaîne parce que bon, c'était pas vraiment ma passion, mais en ce moment je suis en train de perdre du poids. J'ai déjà perdu 2 tailles de vêtements, donc je suis un petit peu obligée de renouveler ma garde-robe. Et sur Fashion Nova, franchement, j'ai trouvé des vêtements qui correspondent à mon style, qui sont abordables à mon avis. Et ben voilà, j'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie de vous montrer tout ça. Alors, j'ai d'abord pris ce jean là qui s'appelle Calydon, c'est la taille 2X. Donc, le jean est assez élastiqué. Il y a 80% de coton, 15% de polyester et 5% d'élastane. Donc, on est à l'aise dedans. Il est moulant. Ce que j'aime, c'est déjà la couleur, comme vous voyez, ce bleu très très intense. J'aime aussi les petits détails distress au-dessus des genoux, comme ça, sur les cuisses. Et je trouve que c'est bien fait, c'est discret, ça fait pas too much. J'aime aussi le fait qu'il soit bien long. Je mesure 1m80 et des fois, les pantalons sont un petit peu jambés de l'eau sur moi. J'aime la coupe, j'aime la couleur, la longueur. Et il me semble qu'il coûtait aux environs de 20$. Et puis, j'ai porté ça avec ce t-shirt. Couleur moutarde, j'aime énormément cette couleur. Je trouve que ça ressort bien sur ma carnation. C'est un tissu qui est assez léger, qui est même très léger. Et je trouve que ça contraste bien avec le jean foncé. Voilà, c'est une petite tenue casual pour tous les jours. Ensuite, j'ai pris ce pantalon. Enfin, je dis pantalon, mais sur le site, ils ont classé ça comme un jean. Ils ont appelé ça le high-waisted skinny denim. Au toucher, c'est pas vraiment du jean. Pour moi, c'est juste un pantalon. C'est hyper fin. C'est super stretch aussi. J'ai pris la taille 2X, mais j'ai l'impression que j'aurais pu prendre du 1X parce que une fois que je l'ai porté pendant toute la journée, le soir, ça devenait déjà un petit peu des doux, un petit peu distendu. Il est très agréable au toucher, il est très doux, c'est pareil, la longueur aussi ça va, il est bien long. Il m'arrive en dessous de la cheville, il n'est pas aussi long que le jean que je vous ai montré précédemment, mais il casse bien quand même sur le pied. Il ne comprime pas au niveau de la ceinture ni au niveau des cuisses. Il est vraiment voilà, parfait pour tous les jours, pour aller au travail. C'est pour moi le pantalon idéal. Et puis j'ai porté avec ce pantalon cette chemise, ou plutôt une blouse, il n'y a pas de col. Donc c'est cette petite blouse blanche. On a des manches pas longues complètement, ce sont des manches 3/4 qu'on peut retrousser comme ça. Ça dépasse un petit peu au niveau du coude. Le col reste ouvert, on ne peut pas le boutonner. Donc je trouve que ça fait un petit peu sexy. Et la coupe est vraiment ample. Celle-là, je l'ai choisie en taille 3X parce que je voulais vraiment avoir cet effet à l'aise, ample, décontracté. Derrière, on a un petit pan arrondi comme ça qui cache les fesses si on a envie de cacher. Le 2X aurait convenu, mais j'avais vraiment envie d'avoir un tombé très léger, très ample. Ensuite, j'ai pris ce pantalon-là. Ça s'appelle cargo chic. Il y a 4 poches, donc 2 poches devant et puis des poches latérales aussi sur le haut des cuisses. Quand il est porté complètement déroulé comme ça, je trouve qu'il est un petit peu court sur moi. Il arrive au-dessus de la cheville. Du coup, je préfère carrément retrousser le bas du pantalon jusqu'au genou. Ça me donne une longueur un petit peu corsaire. Ça fait un look un petit peu plus décontracté. Celui-ci, par contre, n'est pas stretch du tout. Hein. C'est de la toile de coton, je crois du 100% coton. Donc, ça ne s'étire pas. Il faut prendre vraiment sa taille. Si vous prenez une taille en dessous, ça va coincer. Donc là, j'ai pris aussi du 2X et il tombe parfaitement sur moi. Alors, j'ai porté le pantalon camel avec ce t-shirt rouge tomate qui est tout simple. Et il y a des petits strass comme ça. J'aime la qualité du vêtement. C'est pas un coton super fin. Il est mélangé avec de l'élastane. Il est stretch, il s'étire, mais il est épais. Il n'est pas du tout transparent, fin. Vraiment super agréable au toucher, agréable à porter. Ensuite, j'ai pris ce pantalon blanc. C'est le même modèle que le gris que je vous ai montré au début. Le High Waist Denim Skinnies. Toile stretch, assez élastique. Je l'ai pris également en 2X, mais quand il est arrivé, j'ai pas réussi à rentrer dedans la première fois. Il est plus serré que l'autre.
Donc, autant pour l'autre, je vous avais dit, il vaut mieux prendre une taille en dessous. Pour le modèle blanc, prenez juste votre taille parce que celui-ci était assez dur, quoi, assez résistant au départ. Mais la seconde fois que je l'ai porté, là, ça a été mieux. Donc, pas de poche devant, deux petites poches à l'extérieur, taille très haute. Et voilà, un petit pantalon blanc. Je crois que c'est la première fois que j'ai un pantalon blanc. J'achète jamais puisqu'il paraît que le blanc grossit. Donc, j'avais jamais acheté de pantalon ni de jean blanc. C'est le tout premier pour la petite anecdote. Donc, j'ai porté ça avec ce haut qui est assez ample. Celui-ci, je l'ai pris, il me semble, en 1X parce que je voyais déjà sur le modèle de Fashion Nova qu'il était assez large. Et je n'avais pas envie que ce soit trop ample non plus. Vu que j'ai une forte poitrine, j'aime pas non plus quand... quand les vêtements sont trop larges, parce que j'ai l'impression que ça donne encore plus de volume vers le haut. Donc le tissu est super doux, super agréable au toucher, très léger. J'aime bien comment il tombe. Le col, c'est assez ouvert comme ça, pas trop décolleté plongeant, mais c'est quand même aéré, on va dire. Et puis le petit imprimé, tie and dye, j'aime bien le mélange de couleurs, l'espèce de rouge brique, marron, bleu foncé. Je trouve que ça contraste bien avec le motif qu'il y a devant. Je vous disais, le pantalon cargo chic de tout à l'heure en teinte camel, je l'ai pris également en kaki. Là, c'est l'arrière. Voici devant. J'adore cette couleur-là, contrastée avec de l'orange ou du jaune moutarde. Je trouve ça trop joli. Et j'avais oublié de vous montrer, il a une longue ceinture qui vient avec. Donc pareil, celui-ci, je le porte retroussé jusqu'au genou parce que je trouve qu'il est un peu court sur mes chevilles. Et puis j'ai porté ça avec ce t-shirt noir que j'adore. Je l'ai pris en 2X également. C'est du 100% coton. Je l'ai déjà porté, je l'ai déjà lavé et je trouve qu'il s'est bien comporté. Il a gardé une couleur noire bien intense. Je me demande même si je ne vais pas me racheter un autre t-shirt comme ça, que je sais que je vais mettre souvent avec un jean, un short, même une petite jupe crayon noire, enfin... Voilà, c'est du noir, c'est facile à porter. En plus, voilà, Pulp Fiction, c'est l'un de mes films cultes. Alors, pour la dernière tenue, j'ai pris un risque. Je me suis commandé un jogging fluo. Alors, à la caméra, il ne ressort pas comme en réalité. Quand je le vois là devant moi, c'est exactement la teinte de Stabilo, quoi. Ça s'appelle Stole Your Boyfriend Joggers. Je suis mitigée parce que je m'attendais, vu que c'est censé être un jogging pour hommes, je m'attendais à ce qu'il soit plus long et plus ample aussi, puisqu'ils avaient précisé oversize fit. Et en fait, je le trouve assez court, quoi. Il arrive au-dessus de la cheville, mais je pensais qu'il allait froncer davantage, que ce serait plus ample au niveau des cuisses. Mais il faut dire que j'ai de grosses cuisses aussi. Pour que ça arrive à mes chevilles, je suis un petit peu obligée de le faire descendre un petit peu taille basse. Donc franchement, je m'attendais à un petit peu plus de longueur. Là aussi, j'ai pris une taille 2X. Peut-être qu'avec une taille 3X, j'aurais eu le tombé que je cherche au niveau du vêtement. Mais voilà, je suis contente de la couleur, c'est exactement ce que je voulais. Il y a deux longues poches devant, une petite poche carrée à l'arrière. Et la toile est hyper douce, super agréable au toucher. On est confortable dedans, c'est juste que j'aurais peut-être dû... prendre du 3X dans celui-là pour avoir vraiment un tombé ample. Donc là, je l'ai porté avec un t-shirt blanc, tout simple. C'est le t-shirt que je porte là en ce moment, c'est le Lily V-neck. Donc c'est un basique, c'est un t-shirt à petite manche, col en V. Le tissu élastique, c'est du 95% coton, 5% élastane. Il est stretch, hein, on est à l'aise dedans et il est hyper moulant. J'ai pris du 2X, il est même un petit peu serré sur moi. C'est-à-dire qu'il moule vraiment le ventre, dans le dos, on voit absolument tous les détails. Et je trouve aussi qu'il est un petit peu transparent. J'aime quand même le tomber. Je me suis même commandé le même en noir. Dès que je vais recevoir cette commande-là, je vais voir comment le noir tombe. Mais en tout cas, pour le blanc, je trouve qu'il est un petit peu transparent. On a tendance à voir un petit peu mon soutien à travers. Mais j'aime quand même la coupe du t-shirt. Il moule bien. Il est simple. Et puis c'est un basique, quoi. Donc j'en suis commandé deux comme ça. Dès que j'ai pas d'imagination, je ne sais pas trop quoi mettre sur moi. Un t-shirt blanc avec un jean, avec une jupe, un pantalon, un short.
Absolument, tout ça passe partout. Donc voilà les filles, j'espère que mon petit haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dans la barre d'infos, je vous mets les noms, les références, prix, taille, etc. de tout ce que j'ai porté. Je vous mettrai aussi le lien vers le site. Si j'ai un petit code promo aussi, je ne vais pas hésiter à le mettre. Puisque comme je vous ai dit, sur Fashion Nova, il y a toujours un code promo en cours, un coupon code. Donc je les suis sur Instagram et ils ont régulièrement des moins 25, moins 30, moins 40% et ça change aussi assez rapidement. J'espère que le petit haul vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser des petits pouces vers le haut. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.